Salut tout le monde, c'est Shirokyo. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire mille excuses parce que j'ai pas pu envoyer hier la vidéo. Non pas parce que j'ai oublié en fait, hein, mais surtout que j'ai pas appuyé sur envoyer. Du coup, ce soir en arrivant, bah, j'ai vu que la vidéo n'a pas été mise en ligne et du coup, je vais l'envoyer le lendemain. Je suis désolé pour ce trou. Je ferai mieux la prochaine fois, hein. Je vous garantirai pas que ça se reproduira pas, je suis assez débordé. Mais bon, au moins je ferai des efforts pour essayer d'être plus régulier encore et de faire ce que je peux pour les autres vidéos prochaines. Voilà. Donc le final, le chapitre, on était arrêté justement à celui-ci, hein, Stick it to the man, Suisse à l'homme. Et on était à là. The man used to love this show and the play-at-home game. Why, one time he made himself a little costume, complete with a phaser reverter tacky something. I knew he loved his costume, but was shy about it. So when prom came, I hid all his other clothes, and he wore his uniform to prom. I liked making little surprises for him like that. Mother, it was a phase inverter tachyon threshold emitter. Not a phaser reverter. They're like two completely different things, Mom. Oh, I'm sorry. I guess I am just a big dummy. Staying up here all the time, cleaning up after you, ensuring optimum efficiency of this space station. I'm just a big dummy. You show embarrassing photos to strange women. You'd prefer it if I didn't? You'd prefer it if I never did it again? Yes. Well, I'm not willing to do that. Your photos are adorable, and I will share them until the day I die. Well then, I wish you'd hurry that up. Oh, you'd say such a thing? You'd wish that your only mother who brought you into this world would die? Ah, come on, Mom. No, you said it. Far be it for me to stand in the way of my son's wishes. Self-destruct initiated. 120 seconds remaining. Come on, Mom. Stop goofing around. 117 seconds remaining. Mom. 115 seconds remaining. Darn it. Hey, you're safe. Yeah? I'm not like dumb. I can escape as good as y'all. I'm really glad, sweetie. That's the good news. The bad news is that this station will explode in less than 2 minutes. Self-destruct. We could call my friends for a ride. If only we had an intergalactic ultra phone! And let me guess, those aren't available on Earth. Nope. Wait, I've got a great idea. What if I just think about an intergalactic ultra phone, then you could grab it out of my thoughts? Whoa. That's just crazy enough to work. Alors donc on va revenir pour lire dans les pensées de la vieille, hein, parce qu'on ne l'a pas fait du tout. Lui on l'avait fait, mais bon, voilà. Alors donc c'est vraiment un retournement de situation, hein, ça va s'exploser. Donc on est assez pressé. Alors il y a des nouveaux personnages qu'on n'a pas encore vu, hein. Il y a une côté de cet endroit qu'on n'est pas allé du tout. Merci pour les donuts. Là, depuis tout à l'heure, elle dit qu'il reste quelques secondes, puis après elle rechange d'avis, elle dit qu'il reste encore 1 minute, et voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de vous presser tant que ça. Et voilà, donc le trophée qui tombe, hein, parce qu'on a lu dans les pensées de tout le monde, des autres personnages et tout, des autres chapitres. Et c'est le dernier chapitre, c'est le dernier trophée aussi qu'on a gagné. Hein. Alors, hop, hop. Maintenant, on va redescendre. D'accord, on arrive à là. D'accord, je peux pas. Ok. Alors, donc, il faudrait peut-être que je retourne au début. Hop. Là-bas. Non, pas ici.
Je dois faire quoi avec ce truc? Alors, Arlène, peut-être? Hop. Ah, d'accord. Ok, ok. C'est ça, un téléphone pour eux. Ok, we got the phone. Now we just need to fire it into space. What? We need to fire it into space? And you're just mentioning this now? I'm sorry, I thought it was obvious. You know of any intergalactic ultraphones that work differently? 4, 3, 2, 1, 0 respect is what I get here. I can't believe it. You'd think years of parenthood would get me something else, but no. 111, 110. Okay. Hello, Intergalactic Space Cab Service. Where can I pick you up? Coordinates 352-222-452 Cedar Prime Sector. Whoa, whoa. Is that Earth? There'll be an extra cleaning charge of 8,000 bakazoids to get there, buddy. It's fine. Can you step on it, please? No problem. We'll be there in, best estimate I can give you is 15 seconds. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, hey, are these guys eight, usually, seven, reliable? Six, five, kinda? 4, 3, 2, 1, 0.5, 0.4, 0.3. You know what? I don't think you actually care about me at all. I think you might actually be a jerk. We're headed to Earth. Get us out of here. You got it, buddy. 0.2. 0.1. Real talk, the man. You make me wish I never got my consciousness downloaded into a space station computer. But now, as I look back on my life, I have this many regrets. Zero. I was only screaming to get you guys to stop screaming. Anyway, here we are. Enjoy the rest of your evening, folks. Well, I guess this is it. Thanks for saving me, guys. I can go back to my home planet now. It's pretty cool there. Every night is buy one, get one free pizza night. Every night? We, eat a lot of pizza. This was, memorable. Nuh-uh. We're hugging this out. Meter's running, buddy. Oh, jeez, right. Okay, stay cool, you guys. Where to? Planet Spacetopia, by way of Planet Smooch Time. Oh, sweet, I love Planet Smoochy Times. Even the traffic cops are friendly there. A little too friendly, now that I think about it. That? Oh, that was a really long day. You read my mind. Really? Alors donc là c'est la fin hein, comme vous voyez bien. Dear Ray. Ah non. I wanted to send you a quick note just to let you know I really had a great time hanging out. Both on your planet and particularly in your bot. Both were not nearly as dirty as I've been told to expect. We had fun, didn't we? Let's do it again sometime. Come visit me as soon as your people invent interstellar travel, okay? Peace out. Oh, one more thing. I did a quick check when I got here, and I may have left a little something inside your head at some point. It's no big deal. And I know you'll be able to take really good care of it. Daddy? Arlene!
Et voilà. Et voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Demain je ferai normalement les trophées, ensuite la note du jeu. Donc ce jeu a été vraiment dément. C'est spécial j'avoue, hein, mais c'est un chouette jeu, donc franchement, pour un jeu pour enfants c'est très bien. Il n'y a rien à dire, c'est super. Même pour un adulte, hein, je vais pas dire non, hein, c'est un petit amusement rapide. Mais le jeu est quand même assez court. J'ai fait en à peu près une semaine, j'ai fini le jeu, quoi. Sachant que je joue pas tous les jours exactement aussi. Mais si je jouais tous les jours, en une journée, j'aurais fini le jeu, je pense. Avec les trophées et tout. Donc c'est pas un jeu très difficile en soi, et c'est un jeu sympa. On passe pas mal de temps à s'amuser, tout simplement. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des jeux comme ça aussi, donc voilà. J'espère que vous, ça vous a apprécié et que on se retrouve à la prochaine, les amis. Sur ce, ciao!